les animaux d'élevage peuvent être soumis à des attaques de prédateurs. Les chiens de protection de troupeaux sont l'un des moyens utilisés par les éleveurs et les bergers pour repousser ces prédateurs ou limiter les conséquences de leurs attaques. Il existe aujourd'hui une soixantaine de races et d'écotypes de chiens de protection dans le monde qui résultent d'un travail de sélection mené pendant des milliers d'années et basé sur leur fonction de protection et l'adaptation à leur environnement. Ces chiens sont tous de type lupo-molossoïde, c'est-à-dire de grande taille, avec une tête assez ronde, des oreilles pendantes et un chanfrein relativement court. L'aptitude d'un chien à la protection d'un troupeau dépend à la fois de sa génétique, de la manière dont il est mis en place dans le troupeau, éduqué et suivi tout au long de sa vie, et également de ses propres expériences vécues. Tout cela nécessite des compétences et des savoir-faire que les éleveurs et les bergers doivent maîtriser pour obtenir des chiens adaptés à leur environnement de travail et les plus efficaces possibles. En France, depuis 2018, l'Institut de l'élevage anime, avec le soutien du ministère de l'Agriculture, un réseau d'accompagnement sur les chiens de protection qui assure la transmission de ses savoirs et savoir-faire auprès des éleveurs et des bergers. Ce réseau est lui-même constitué d'éleveurs et de bergers. La mise en place d'un chien de protection, ça demande du temps, de l'investissement et de l'anticipation. Et ça, ce sont des éléments qu'il faut bien avoir en tête, sous peine de se laisser déborder et du coup de ne pas réussir le projet. Les chiens de protection sont maintenant répandus dans plusieurs régions de France. Et au-delà des grandes zones pastorales, on les retrouve désormais à proximité des villages et en zone périurbaine. Leur présence dans des espaces partagés nécessite que les autres usagers comprennent toute l'importance de la présence de ces chiens dans les troupeaux et sachent se comporter correctement face à eux pour la sécurité de tous et pour la tranquillité des animaux. Alors, concrètement, comment choisir et mettre en place des chiens de protection au sein d'un troupeau? Et comment concilier leur présence et le multi-usage du territoire? Nous partons sur les routes de France avec Béatrice, Magali, Vincent, Yves, Rémi et Bruno, membres du réseau de l'Institut de l'élevage, à la rencontre d'éleveurs et de bergers qui, pour certains encore novices, se font aider pour la mise en place de leur premier chien. Et d'autres, plus expérimentés, partagent avec nous leurs expériences d'utilisateurs de chiens de protection.